Ouais, super, merci Misa. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, nous sommes partis sur twitch.tv/esportfa. C'est déjà la 5e ou la 6e édition de Stade 2.0. Et figurez-vous qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Salut les gars, comment ça va? Salut Saban, Moustaki et Misa. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite imitation de Misa qui arrive juste après Saban? Bien, bien, pas mal. Bien, bien les gars. Ah. Alors Loustic qui visiblement apprécie ma barbe naissante. Merci Loustic, écoute. Il y a grande chance qu'elle soit plus là la semaine prochaine, mais elle restera bien sûr pour le replay et pour tous les fans de ma barbe. Écoute, c'est pas mal comme début. On vous entend pas, oh merde. Eh ben les gars, vous avez raté une putain de... D'imitation. Vas-y, parle. Misa, Saban. Ouais, ça y est, on vous a. Saban, du coup, imitation de Misa, s'il te plaît. Ah non, mais attends, ça se fait qu'une seule fois, hein. Y a pas de. Bah, gars, elle était juste pour nous. Elle était juste pour nous. Je suis désolé, les amis, mais y a pas de duplicata, y a pas de duplicata, voyons. C'est quelque chose à apprécier sur le moment même, ça m'a fait plaisir, j'avais un public de 2-3 personnes. Mais on va s'arrêter là. Quitté, hein. Figurez-vous qu'elle était vraiment lourde. Et donc du coup, on est ensemble jusqu'à 20h. Et puis après même, il y a une petite after jusqu'à 20h15 avec Saban et Moustaki notamment. Alors, gros programme, puisqu'on va revenir d'abord sur le e-racing avec le Grand Prix de Monaco. Saban avait mis le petit nœud pape, bien sûr. Et c'est pas pour rien, puisque c'était classe ce Grand Prix de Monaco. On va tout savoir, le classement aussi, le classement des constructeurs. Basket, le point sur la semaine, et on a un certain Ashop. Je vais pas vous en dire plus, mais il semblerait qu'il avait la main on fire cette semaine. Et pour finir, le e-foot, beaucoup de e-foot cette semaine avec la fin des qualifiers, le début des phases numéro 2. Donc ça va être fou. On va avoir pas mal d'invités. Alors, comment a été votre semaine, sinon les gars? Ça va, c'est bien passé malgré le confinement, tout ça, tous ceux qui sont avec moi? Oh, ça va, hein, bon, bah. Même à l'école, du coup, le confinement, ça va, on peut respirer un peu d'air. Et faut pas oublier aussi, il y aura un gros quiz. Hein. T'as oublié Tatan, un petit quiz assez sympa qui va suivre. Mais sinon, la semaine tranquille, on a eu du beau monde sur eSport TFA du dimanche à. Alors, on aurait besoin de t'entendre plus fort, hein, Moustaki. Vraiment, on t'entend vraiment pas fort. Hein. Voilà. Mais oh. Ce n'est pas ma faute. Allez, chez les forts, tout est fort. Merci Saban, et je pense que la meilleure transition ce serait d'envoyer le e-racing tout de suite. Et oui, encore une fois, cette voiture qui roule, ne plus s'en arrêter. Va peut-être falloir mettre de l'essence un jour. On va faire le point sur ce qui s'est passé à Monaco. Est-ce qu'on a une petite introduction, by Saban, pour un petit peu nous mettre dans le contexte, tout ça? Alors très simple, jeudi dernier, il y a eu le Grand Prix de Monaco. Nuit de jour, là, n'était pas forcément le souci. Le souci, c'est que c'est le Grand Prix, comme vous le connaissez, le plus historique, le plus jet-set, mais aussi le plus étriqué pour dépasser. Et vu les différences de niveau, croyez-moi que ça a été très, très, très compliqué, très, très serré, notamment avec une énorme bataille dans les 10 derniers tours entre deux pilotes. Et voilà, hein, on va vous laisser donc du coup pour ce résumé du Grand Prix de Monaco. Et c'est parti, on voit que Simulian conserve pour l'instant sa première position. Les pilotes... Il y a déjà eu un dépassement, Matt et VD Blade ont perdu beaucoup de positions. Est-ce qu'il y a eu une collision? Je ne sais pas du tout, j'arrive pas à voir. Je pense pas qu'il y ait eu de grosses collisions. Tout le monde reste dans des écarts à peu près semblables. Quelqu'un qui a perdu un sacré bout d'aileron, voilà pourquoi il y a une voiture de sécurité virtuelle qui nous fait mentir tout de suite, voiture de sécurité virtuelle. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Là, la voiture de sécurité virtuelle sort. Pourquoi? Parce que la voiture n'est pas KO. C'est juste son aileron et il doit y avoir des débris sur la piste, donc il n'y a pas de nécessité de sortir donc la grue. Monstro qui quitte la session, malheureusement, qui a le FC Q3, hein, bien sûr, tout de suite après. Ne le ratez pas, on va le retrouver plus tard, et une voiture de sécurité virtuelle. Et ils sont, comme vous pouvez le voir, encore 13.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pilotes qui vont devoir aller au stand en même temps et la voiture de sécurité. La voiture de sécurité. Là, c'est la vraie voiture de sécurité. J'espère qu'il a dû se planter encore une fois dans le secteur 2 ou 3 et du coup, qui a dû casser sa roue. Puis qui fait les affaires de Giggs. Parce que personne, aucun des cinq premiers n'a pu aller dans les stands. Voilà, tout le monde qui va rentrer. Là, ça va être la foire au stand. Ça va être la foire. On va voir si certains pilotes sont exactement dans les mêmes stands. Non, on ne va pas le voir malheureusement. On le remarquera bien assez vite. Et c'est Bruno. Bruno qui... Ah si, il est rentré au stand quand même. Il est rentré au stand quand même. Ce serait du suicide concrètement. Et voilà, Giggs, c'est Tommy. C'est Tommy qui s'est fait avoir. Ah, Giggs, qui est passé devant? Ouais. Giggs, ah non. Non. Simu William qui arrive à rester devant Giggs. Il va finir avec cette pneu-là, mais du coup, il se retrouve 12e. Il a dû casser son aileron. Voiture de sécurité virtuelle. Que s'est-il passé? Qui a fait un contact? On voit plusieurs. Ouh là là. Il a dû en voir encore un sacré contact. Et on voit Général Gobert. Aïe. Général Gobert qui abandonne. C'est le troisième abandon de cette course, les amis. Que Giggs perd du temps encore une fois sur William, il y a 2 secondes 5 maintenant, c'est assez gros, 2 secondes 6, on voit que Johan est toujours derrière lui, hein. Et il est dans, alors là je pense que Johan va en profiter, il prend l'extérieur, Giggs qui défend l'intérieur, Johan qui passe pour l'instant, et ça passe pour Johan, voilà. Très bien géré de la part de Johan, Giggs qui relâche un petit peu, il sait que là le rythme est un peu plus... est un peu plus haut. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 2. Secteur 2, il y a dû avoir un petit contact, et je n'arrive pas à voir qui c'est. Je crois que c'est Deblade, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais Alonso qui l'a dépassé, voilà, d'ailleurs. C'est Deblade, et il abandonne. Il abandonne, Deblade qui abandonne. Donc, du coup, il n'y a plus que 11 pilotes qui vont être fatigués. En tout cas, Chris Bell va pouvoir remonter sur Jacob s'il continue à garder ce rythme-là. On voit que Bruno arrive très dangereusement sur Giggs. Depuis tout à l'heure, il le rattrape. On voit que Johan aussi. Johan commence à bien remonter sur William, qui a gagné William, une seconde là sur ses derniers tours. Tout à fait. Giggs, et Bruno a moins d'une seconde de Giggs. Drapeau jaune. Et il y a un abandon encore. Il y a un abandon. C'est Matt. Matt qui a abandonné. Matt qui abandonne. Joker, Matt, de nouveau, c'est pas la première fois que Matt va être à la porte des points. Ça va être très compliqué, Bruno qui va tout donner. Secteur 3, drapeau jaune, et je pense que c'est notre ami Alonso. Je le vois perdre pas mal de temps et qui s'était stabilisé à 49 secondes. Et Joker, fin de session pour Joker, mais bon, il aura assuré les points. Les deux ont bien négocié leur virage. On le voit toujours à 5 dixièmes. Là, il va repasser en dessous des 5 dixièmes, et on voit la victoire de William. William qui vient de remporter ce Grand Prix. Johan qui va le suivre. Et là, les troisièmes. Il est à 3 dixièmes, 4 dixièmes. Là, il ressort pas trop mal. Il est à 4 dixièmes, 3 dixièmes. C'est peut-être C'est peut-être le moment pour Bruno. Et non, c'est dommage. Non. Sur la ligne d'arrivée. Mieux avec le micro, et voilà, nous sommes de retour, donc Grand Prix étriqué, j'ai envie de dire. Salut à The Joker TV qui est sur le live et qui nous a arrosé de ses commentaires en compagnie de Saban jeudi dernier. Il sera encore là jeudi dans 15 jours. D'ailleurs, on va où dans 15 jours? Alors dans 15 jours, ça se passe à Monza en Italie, évidemment, hein, le Grand Prix qui a permis à Gasly de gagner cette année. On a eu les larmes aux yeux, hein, mais ça va être une très très grande course. Hein. J'espère que vous serez prêts pour cette fucking parabolique. Ouais, on la retrouve. Voilà, le chemin sera... Ça, le chemin sera très 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 ardu, hein, pour les pilotes. Et j'espère qu'ils vont bien se battre l'un contre l'autre. Et oui, ils vont se battre sur la saison. Dis-nous tout avec le classement. Ah, nickel. Merci les gars. Hein. J'ai vu que, voilà, il y a mes lunettes qui passent pas déjà au FC Nantes. Mais qui passe sur Super Dropex, hein, voilà, chez les grands tout est grand, désolé elles pour les débat. Lunettes. Elles font débat, tes lunettes. Voilà, si tu veux mettre un petit sondage, hein, fais-toi plaisir, hein, on a le droit. Mais voilà, donc on voit le classement. Alors ce classement, hein, où William, le pilote de la Orcs Grand Prix, j'allais dire. Oh là 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 là, la Orcs justement qui gagne la deuxième victoire, hein, sur trois courses. Vraiment pas mal, il creuse l'écart. On a ensuite Giggs qui est très régulier. Évidemment, Skyzy qui n'a pas pu piloter. J'ai vu que tu as lancé le sondage, c'est magnifique. Ah oui, c'est la grande question. Ouais, c'est la grande question. Mais Skyzy qui n'a pas pu piloter à Monaco, justement, qui a laissé sa place à son compère Bruno et qui a laissé aussi ses places
tout simplement, au classement général avec un 0 pointé. Intercalé entre les deux, El Jacob de Chamalières sur la dernière place du podium. Ensuite, on voit hein, Simus Park, Johan, grande entrée hein, dans le classement. Johan, attention à lui parce que la Wanted a trouvé un pilote en or, les amis. Bientôt les Gunnar, exactement Nairo, bientôt les Gunnar. Yes, du coup voilà ce classement, c'est vrai que Simi William a une petite avance à suivre du côté de Monza, donc jeudi 18 de 20h à 22h. Voilà, on salue au passage aussi Rob qui était avec nous pour ce live de jeudi. On a un deuxième classement en plus, je prends un ton de, oui. de c'est fini, mais c'est pas fini. Quand il y en a et plus, non, il y en a rapidement encore. Et ben je vais de juste... classement constructeur, voilà. Où on va voir justement en termes d'écurie toutes les équipes, parce que oui, il y a plusieurs pilotes qui ont concouru pour la même écurie. Et donc du coup, maintenant, on va un peu regrouper tous ces points et montrer Orx toujours devant, Estudiantes toujours bien placé avec Giggs, mais la FDA, hein, la FDA les amis, qui a trouvé donc deux très bons pilotes qui restent sur le podium, suivi de très très près par Chamalières, 3 points. Qui les sépare, 5 points entre la 2ème et la 4ème place. Ensuite, on va pas vous mentir, hein, c'est beaucoup moins serré. La Wanted, qui est un peu le premier des autres, MGFC, Asgard, Ubiteam qui suivent très très proche, la Team Rocket et InVision, SGS qui a marqué quelques points, Toulon à 6, Bergerac à 2 points, et pour clôturer la marche, la Devil et Ecclesia, tous les deux avec un petit point. Très bien. Alors Saban, on va faire un premier petit point, on va dire, sur cette compétition e-racing. Ça fait désormais 3 courses. Toi, en tant que suiveur, en tant qu'observateur, quelles sont tes premières impressions sur la saison, sur ce championnat? Voilà, une espèce de petit bilan général comme ça. Bah, le niveau est très élevé et peut-être un petit peu trop élevé pour pouvoir le niveler tout de suite pour que tous les pilotes aient le même niveau, on va dire. Il y a certains pilotes qui sortent clairement hein, du lot. Et on peut notamment penser à tous ceux qui ont trusté les premières places récemment. Johan qui vient d'arriver, hein, justement, on l'a eu en interview dans l'avant-course. Et ces pilotes-là, justement, à force de les ramener, ça va donner un championnat beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compétitif. Et non, franchement, à quel kiff de commenter ces courses, de commenter ces grands champions, hein, ces grands champions tout simplement. Parce que ce qu'ils font, moi je vous dis qu'on n'est vraiment pas beaucoup à pouvoir le faire. Et bon, je ne vais pas mouiller, mais je pense que William, s'il continue un peu sur cette route et qu'il n'a pas de disqualification, on ne sait jamais, hein, peut-être un autre pilote peut le mettre dehors. Ou alors, qu'il ne concourt pas sur une des deux courses qui suit en Autriche, ou là, dans la semaine prochaine, en Italie, normalement, il devrait gagner le championnat avec l'avance qu'il a. Mais rien n'est joué, attention. Rien n'est joué. On a quand même la Louvière qui demande s'il est sur Gran Turismo ou pas leur pilote. Ouais, Grégoire, hein, j'ai spawn. Spawn, c'est sûr que c'était très compliqué, surtout à Monaco, hein, les amis, un peu d'indulgence hein, pour les pilotes qui sont un petit peu moins bons que les Cador, parce que ouais, c'est déjà très bien. Et il serait sur Mario Kart, hein, c'est avec très, une très, Nantes. Très dur. Hein. Il serait avec une Nantes sur Mario Kart. Ah, mais le seul problème... Mario Kart, on peut déraper. Je suis sûr qu'il aurait réussi justement le virage de Arrasca s'il pouvait déraper et mettre un petit boost, un petit champignon, une petite carapace bleue pour taper Saban, William. Cet été, il faut qu'on trouve la solution de pouvoir s'affronter sur Mario Kart, sur Wii ou je sais pas. Il faut faire ça, je pense. Ah, je avec pense Moustaki, que, ouais. Là, on lui lance des bananes à Moustaki, tu sais. Moustaki, je pense que voilà, il sera content pour les pots de banane. Il va avoir un peu la tête qui tourne, mais vous inquiétez pas là-dessus, on va le reprendre en bonne forme, l'ami Moustaki. Bah d'ailleurs, il arrive à point nommé, j'ai envie de dire, puisque c'est l'heure du e-basket. C'est parfait. Ah, attends, je suis en train de faire un gros écran noir, les gars. Pourquoi la transition e-basket me fait ça? Regardez ce ballon là, magnifique ballon. On remercie bien sûr hein, les enfants de la classe de 6ème B qui ont fait le son du basket. Chopé à la récré comme ça. Ça fait pas rire mon Steaky, hein, il aime pas qu'on dénigre son jingle. Salut Dani, on est sur du e-basket et ensuite ce sera le e-foot. Et est-ce que j'ai mangé? Écoute, non, mais j'ai pris la décision de partir avant
la fin pour aller manger et puis Saban et Moustaki pourront tenir la boutique. Ouais. Oh, du c'est coup, un ouais. Nantes, très très bon commentaire. Hein. C'est la classe de l'équipe de 2003 d'hier hein, qui a fait le. Oui, qui ce sont les 2003 de, justement, de génération. Oui. Et oui. Et d'ailleurs, gros big up aux 98, la meilleure année forcément, qui ont remporté cette guerre des générations. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en club pro, il y avait une équipe selon l'année de naissance, donc il y avait 8 équipes selon votre année, et donc c'est les 98 qui se sont imposés en finale. Voilà, hein les gars, 98, qu'est-ce qu'il y a? Ça banne là, hein? Ah là là, qu'est-ce qui se passe? 98, tu sais très bien, j'ai pas envie de mal parler, mais bon. Après, voilà, nous on a pu vivre justement cet instant magique en 98. Vous, j'ai envie de dire, vous venez à peine d'entrer dans le monde réel en 98, tout notre... pleurant, tout fripé comme ça. Non, 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 c'est bon. Moi, j'ai les souvenirs quoi. Encore. j'étais même pas né alors. Ouais, c'est un 2000, Moustaki, voilà. Les amis. Hein. C'est dire. Un embryon. C'était un projet, Moustaki. C'était un projet, le mec. En tout cas, on te le souhaite d'avoir été un projet. Bon. On va passer au Wii Basket. Donc, qu'est-ce qu'on. Donc, je crois que Moustaki, on a un petit peu passé outre mesure la sécurité hein, par rapport au contexte sanitaire, mais tu as réussi à faire rentrer des invités dans le studio. Dis-nous tout. Ouais, j'ai réussi à faire rentrer. On va partir sur ce qui s'est passé mercredi. On oui, a vas-y, eu, vas-y, fais, je te laisse gérer, moi je suis en vacances. Hein. on a eu deux matchs. Alors, la Orcs face à Roxor. Et là, on a deux joueurs, enfin, un joueur de la Orcs et le manager de la Orcs, Chillax et Ashop. Et on a vu aussi un Elan Wanted face à Studiantes, il me semble. Et c'était deux beaux matchs à voir. Bon, il manquait un peu de. Deux matchs pour qu'on puisse tourner, etc. Aller voir ah oui, d'autres sur le matchs, live c'est dommage. Mais on s'est régalé parce que j'ai préparé une petite vidéo. Vous allez m'en dire des nouvelles. Le record de la ligue battu par notre invité Ashop. Ah, ça c'est vraiment pas rien les amis. Donc c'est l'heure de regarder ça, concocté par Moustaki. C'est parti. En blanc, hein. On est d'accord. Non, c'est l'Orcs. L'Orcs, pardon, ouais. Avec leur maillot vibe. Chaud. Le mur. Le petit champ. Shoot corda chop. Oh là 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 là. Chop. Allez, allez. Le side back toujours. L'ouverture entre les trois défenseurs. Ouais. Super. J'espère qu'il va un petit peu rééquilibrer un petit peu ses fautes là. Ouais. Il chope le 3 points. Chillax qui a donc récupéré ce ballon, c'est la remise en jeu de Roxor. Il y a Chop sur la tête. Wow, encore hein, dès le premier carton, effectivement. Oh là 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 là. Il a Chop peut-être, non. Il va avoir l'ouverture, on le sent, on le sent. Il c'est dedans ça. Là, oui, il l'a eu face à Elan. Ils sont dans la même poule. Donc je voudrais bien voir ce match là encore. Oh là là. Sans embêter un Joey. Même si les joueurs sont bons, et encore ce 3 points. Je pense que là, dans un match un peu plus flexible, où il y a beaucoup de contre-attaques, sur un Joué notamment, avec un Mamba qui... Alors on est chaud hein, ce soir, on est chaud. C'est incroyable. Encore. Franchement, c'est une telle insolence pour tout le monde, que ce soit pour nous, pour les joueurs casus, pour les joueurs compétitifs. Oh là là. C'est vraiment... On dit... Non, malheureusement, c'est quand la pression est un petit peu tombée, qu'on a du mal. Oh là 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 là, porter un fou. Et bah là, à contrario, on peut pas dire qu'ils font un mauvais match. C'est juste l'excellente attaque d'Ashop, encore une fois. Que t'as peut-être fallu faire. Oh, mais c'est pas grave. Plus de 80%, je pense. Les tirs ont été verts, et là encore un. Je pense que le cumulé de verts qu'ils ont fait sur ce match-là, c'est plus que dans ma carrière sur NBA 2K21. Il a tout à fait raison, mais. Je pense que si je vois encore 2-3 points là. Oh là ah, voilà. Je pense que là c'est quand même. Faudrait voir. Hein. Combien 50 points 50 points d'achat. Yeah. Oh là là. 6 sur 23 points. Et voilà, hop. On est présent avec des petits classements aussi pour vous servir. Bravo en tout cas déjà à Shop, tu es là? Ouais, salut à tous. Salut mec, bah écoute, félicitations, on a affaire au meilleur marqueur pour l'instant. Chapeau. Merci.
Ah, moi j'ai été bluffé, hein. Je me permets vite fait, j'ai été bluffé. Hein. Le premier panier, je sais même pas comment tu l'as rentré. J'ai l'impression que t'as utilisé la force de Star Wars, hein, mais bon. Un peu de réussite sûrement. Et Moustaki, un record comme ça, c'est censé tenir longtemps ou la semaine prochaine il est battu? 50 points, c'est, bah, déjà, il avait déjà fait un match à 45 points et un match à 42 si je ne m'abuse. Et 50 points, bah, c'est énorme, hein, c'est la moitié du record en NBA, hein, dans la vraie vie, détenu par Wood Chamberlain. Et bah oui, 50 points, c'est très compliqué à battre. Maintenant, ce qu'on attend peut-être, c'est un triple-double qu'on n'a toujours pas vu. Enfin, moi, je n'ai pas vu de triple-double. Il va falloir t'y mettre, Ashop, les triple-doubles, hein, putain, boss. C'est rare, c'est pour les pivots, là, mais c'est rare en pro, ouais, mais triple-double, j'en ai jamais vu, moi. C'est ça, après, c'est assez compliqué. C'est pas les meneurs qui vont faire des triple-doubles. C'est les pivots, principalement. Les meneurs, on peut peut-être, si on compte les ballons perdus. Ouais. Après, il peut y avoir les interceptions. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, c'est sûr, mais... Le premier qui le fera, ça sera quand même un très gros record. Ouais, du coup, bon, bah, alors, on va tu vous veux poser des questions. Ouais, ou t'as le classement aussi, si tu veux. Tu fais dans l'ordre que tu veux. On va y revenir après au classement. Allez. On va commencer, bah, justement, on va faire une transition dessus après. Bon, bah, Chillax, toi qui es manager de la Hors, qui est première actuellement au classement devant l'élan invaincu depuis le début de la saison. Qu'est-ce que ça te fait d'être devant une si belle équipe? Off. Moi, pour l'instant, pas grand-chose en soi, puisque bah, tous les gros matchs, on les a pas forcément encore joués. Les seuls qu'on a, où on a pris un petit peu d'avance, c'est Asgard, qui fait partie des certainement pour nous, en tout cas, des équipes à battre absolument, avec élan. Donc, pour l'instant, le classement, en fait, on le regarde pas trop, puisqu'on connaît pas toutes les équipes, mais on connaît celles où, déjà, au niveau... de toutes les compétitions que nous on fait, on se méfie un petit peu, quoi. Donc après, pour l'instant, non, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la première place ou dans les cinq premiers, parce qu'on sait pas réellement contre qui on va jouer, quoi. Donc du coup, on vit au jour le jour, on va dire. D'accord. Et du coup, un match face à l'élan qui va arriver bientôt, je pense, dans les deux semaines à suivre. Est-ce que c'est un match qui va définir la première place? Oh oui, c'est sûr. Même je pense que la Shop qui est là, je peux le dire, on a quelques idées en tête par rapport aux équipes où ça va se jouer, et là on fait partie déjà directement. C'est une très bonne équipe, ouais. C'est ça, ouais. C'est peut-être, sans dénigrer les autres équipes ou quoi que ce soit, c'est peut-être l'équipe qui nous fait le plus peur. En soi. Donc, peut-être pas à voir. Je pense que ça risque d'être l'un des plus beaux matchs de notre groupe, en tout cas. Et du coup, Chillax, toi qui es l'ailier, il me semble, défenseur de la Horse et GM, c'est ça? Ouais. Du coup, on a vu bah, contre Roxor un très gros match de vous deux et de Maddy, même si l'équipe aussi à côté était présente, hein, on dénigre personne. C'est une très belle équipe, c'est pour ça qu'ils sont premiers. Et on a vu justement, bah, surtout vous trois, Maddy, Ashop et toi, Chillax, qui ont fait une grosse performance justement face à la Roxor mercredi. Et les 50 points d'Ashop, qu'est-ce qui s'est passé dans le vocal au moment où t'as su que t'avais battu ton record? Écoute, j'avoue, on prend un peu ce qu'ils nous donnent, donc le pivot montait pas trop. Donc j'avais beaucoup de shoots, il n'y avait pas trop d'aide, et après je faisais pas trop attention au score sur le coup. J'ai vu à la fin 50 points. Après voilà, hein, c'est pas vouloir dénigrer Roxor, je pense qu'il faut qu'il bosse pas mal, c'est pas une très grosse équipe, donc on sait pas trop, il n'y a pas eu trop d'excitation non plus. Même si ça fait toujours plaisir de mettre 50 points. Après, certes, mais par exemple, les 50 points, tu vas espérer quand même que ça tienne longtemps, voire que tu les dépasses plus tard. Ah oui, j'espère, mais après, voilà, ça peut être dépassé par un autre PG, ou on verra, on va essayer, ça dépend des matchs qu'on a, hein. C'est les gros matchs, c'est difficile de marquer autant de points. Surtout contre les équipes où il y a beaucoup d'aide défensive, où ils essayent de limiter le PG au maximum, c'est compliqué. Pour en revenir du coup à l'élan,
le match qui va se jouer dans pas longtemps, est-ce que tu penses que un Joey qu'on a vu très très fort défensivement peut t'arrêter et vraiment oui, bien sûr. Dans ton élan? Après, moi, il faut savoir qu'à la base, je joue arrière. C'est Varam, notre meneur principal, qui est un très bon joueur. Il a beaucoup plus d'expérience que moi et qui est encore un meilleur marqueur. Donc, après, moi, contre Elan, Varam sera là. Donc, j'aurai déjà moins de ballons que l'autre match. Mais on va essayer de faire notre mieux. Hein. Et toi, Chillax, qui va devoir se défendre sûrement sur Somme DC, qu'est-ce que tu en penses? Quand on joue là, c'est... peu importe qui on a en face de soi, c'est toujours compliqué parce que tous les meneurs n'ont pas du tout la même façon de jouer. Après, il y a beaucoup le facteur chance qui rentre en compte au niveau des prises de ballon dans les mains des adversaires. Donc, ça peut être un bon match pour moi, comme ça peut être une misère complètement parce que. Sincèrement, jouer Lox sur cet opus là, c'est pour moi, je trouve que c'est certainement le plus compliqué. Et donc, ça, d'un match à l'autre, sur l'aller, je vais pouvoir peut-être faire un gros match et défendre, je sais pas, peut-être avec 4 ou 5 interceptions, on va dire une grosse moyenne. Comme il va me mettre 35-40 points dans la tête et j'aurais beau vouloir défendre le mieux possible, ça passera pas. Donc, c'est toujours, en tout cas, en tant que Lox, c'est toujours délicat et d'anticiper. C'est très compliqué, quoi. Yes. Et la défense se fait beaucoup à deux aussi, avec le... enfin, c'est une défense d'équipe, bien sûr, mais avec pour le meneur, avec le pivot aussi. Ouais, c'est ça. Le lock en soi, c'est ingrat, déjà, c'est un poste très ingrat, mais c'est un binôme, en fait, de base. Toute ma défense, en fait, elle va être bonne avec mon pivot qui est derrière, en train de me couvrir H24, donc du coup, c'est pour ça que c'est assez délicat. Si on est dans un bon soir, on va pouvoir arrêter le PG le mieux possible, mais derrière, ça se trouve, ce ne sera pas le PG qui marquera, ce sera le pivot. Donc, c'est toujours délicat. En vrai, jouer lock et puis anticiper si ça va être un bon match pour notre adversaire ou pas, c'est dur à déterminer, en fait. Et donc, le mieux possible, ça c'est sûr. Ouais. Somme DC, je l'ai déjà joué. Mm-hmm. Il est chiant à jouer. Donc. Les bons joueurs, oui. Ouais, donc ça dépendra de ma forme le jour J, quoi. Et de la saison. Bon bah merci les gars d'être venus. On vous souhaite une belle suite sur les Sport TFA et sur les autres compétitions. De toute façon, jouer. Là ils sont bien partis. Hein, Ouais, c'est sûr. Du coup, ouais. Et on aimerait bien, quand vous jouerez contre Elan, voir le jouer le mercredi si possible. Ouais. Au moins on pourra se régaler et faire un grand grand format sur vous. Sur vous en plus. Sur vous en format. Sur vous, hein. Ouais. C'est sur vous deux, hein, les autres. Ça, c'est un objectif que moi je me suis fixé. C'est vraiment tous les matchs les jouer les mercredis. Après, ça dépend pas uniquement de nous. Donc, bien sûr. Oui, c'est sûr. Prendre les spotlights un peu. Et ouais, c'est ça. Faites-vous mousser, les mecs. D'ailleurs, vous allez vous faire mousser parce que Moustaki va nous faire un récap du classement. Et il me semble que vous êtes bien placé. Vas-y, Moustaki. Alors, du coup, dans le groupe 1. Premier avec 6 matchs, 6 victoires, la Orcs, suivi de près à 6 matchs, 6 victoires aussi, l'Elan. Ils sont devant à la différence de points. Troisième, Vibol Asgard, 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites. La Roxor, 6 matchs, 3 victoires pour 3 défaites. Les Studentes, 7 matchs pour 2 victoires, 5 défaites. Voltage, 6 matchs, 2 victoires, 4 défaites. Et la Team Rocket, seulement 2 matchs pour 0 victoire et 2 défaites. Et la Chamalière qui n'a pas entré ses stats encore, du coup on ne sait pas. Et du coup, dans le groupe 2, le SC Toulon, 4 matchs, 4 victoires, mais je crois qu'ils ont joué des matchs qui n'ont pas été remplis non plus. La Louvière, 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. La Desvilles, 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. La SGS, 2 victoires sur 2 matchs. La FDA, de même. Ubiteam, un peu dans le mal avec 8 matchs, 1 victoire, 7 défaites, tout comme Indivision. Et les trois autres n'ont pas rentré leur stats. La Louvière qui est surpris, hein, cette deuxième place, comme quoi les gars, vous êtes présents pour l'instant. Après, beaucoup de stats n'ont pas été rentrés, etc. Du coup, ouais. Ça fausse un peu le classement. Bien sûr, mais à la fin, on fera les comptes et on verra qui est premier ou pas premier. Voilà, écoute, merci beaucoup à nos amis de la Orcs e-basket, du coup, qui sont passés. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Ouais. Et grande félicitation, hein, parce que la Orcs, ouais. Que ce soit en Formule 1 ou en basket, vous trustez les premières places.
Maintenant, on attend l'équipe de foot. Ouais, ouais. L'équipe de foot qui donne tout pour détrôner Atlantide Wave. Et là, vous avez le TRC gagnant les trois premières places. Là, je pense que Misa, il fait un petit truc. Si vous avez les trois premières places en même temps, Misa, il fait un petit truc. Et retenez bien ce nom, les amis. Ashop, 50 points. Joueur à suivre, voilà, peut-être qu'il sera MVP à la fin de la saison, on ne sait pas, en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va scruter la vidéo attentivement quand elle va sortir. Bonne soirée, les amis. Ah, merci, bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. À mercredi, on l'espère, salut. Et c'est l'heure de passer, bien sûr, au eFoot avec un petit quiz aussi. Vous n'allez pas pouvoir gagner des EFAP, mais ça va vous faire kiffer, puisque vous le savez, on va revenir sur un grand match. Vous le savez peut-être pas, d'ailleurs. Fréjus face à Dijon. Ouais, le retour encore. Voilà, j'avais juste de vous mettre le son de cette transition, mais pas la vidéo. Donc, Ashop, 50 points. Voilà, vous le savez maintenant si jamais vous n'étiez pas au courant. Donc, on va passer au eFoot et on va se déplacer, les amis. Vous êtes au courant de ça, hein. On va se déplacer. Je vous envoie tout de suite le lien vers notre salon eFoot. J'invite donc un petit peu tout le monde. Moi. Moustaki, je vais t'inviter, t'inquiète pas. J'y suis. Ah, Moustaki, il y est, bah oui. Mais tu es avec tous tes comptes, ouais, c'est bon. Bah ouais. Parce que Moustaki, il se transporte. Ouais, il a une armée, il a une armée, le mec. Hein. Moustaki, il a plusieurs faux comptes, même sur Twitter, hein, faites gaffe, hein, si jamais vous voyez des tweets suspects d'un mec que vous connaissez absolument pas, c'est Moustaki derrière un troisième écran. Hein. Ouais, non, mais c'est absolument ça, hein. Moustaki, faut le faire gaffe. D'ailleurs, toutes mes excuses, prochain, je viens de voir, hein. Oui. Je viens de voir dans le channel du chat, c'est les Orcs, hein, c'est pas la Orcs. Ouais, voilà, on ne fera plus l'erreur, les amis. Je vous promets, ouais, on ne fera plus l'erreur. On la fera plus jusqu'à la prochaine fois qu'on la fasse. Ouais, bon, la Orcs a bien mérité ça. Allez, venez dans le décalage là. Hop. Ça y est, hop, on est là. Alors, je vais te rejoindre progressivement, hein, par tous nos amis. Et on a notamment Gégir qui est là. Alors Gégir. Ouais les gars. Tiens Saban, merci, je vais te. Hop. Ça va la forme? Ça va et toi Gégir? Ben ça va les gars. Ouais, je remets, okay. Tu t'es bien remis de cette barre. Ah là 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 là. Elle nous a fait vibrer nous aussi. Ouais bah après c'est le jeu, hein, c'est le jeu, mais c'est vrai que ça a été un gros match. Hein. Ouais, ne t'en fais pas, t'auras l'occasion justement dans très très peu de temps de remettre les compteurs à zéro, on va dire. Bon, bah alors tant mieux, écoute, hein, de toute façon j'attends que ça. Hein. Bon, après je pense que les 24 qui sont devant nous ont mérité, hein, mais bon. C'est vrai que ça s'est joué à une barre. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a du monde de Dijon, les amis? Dijon! Salut. Yo, oui. Bonsoir à tous. Le dribbleur fou. Barbossa, rendu fou, j'arrivais pas à le suivre de la cabine des téléspectateurs, des commentateurs avec Mizou, il était là, il regardait à gauche, à droite, il était partout, Barbossa, partout. Barbossa. On a vu, t'as mentionné qu'il t'avait même dribblé dans la cabine. Ouais, ah ouais, le coon, même dans la cabine, il m'a dribblé. Le GM, ouais. Et pour être complet, on a Guti, c'est ça, de Fréjus. C'est ça. Salut à toi Guti. Alors, salut. Ouais, Barbossa, moi j'en peux plus, hein. Je me réveille le matin, je reçois des coups de fil, ouais, vous connaissez Barbossa, machin, c'est pour une interview, c'est plus possible. C'est plus possible. Ah ouais, carrément. Alors je vous propose de regarder le match. Ce qu'on se fait, c'est qu'on se regarde le match. Mais on commente ensemble, on revient sur tout ça, et puis après on va donner aux perdants une petite occasion de se venger. Mais juste avant, on regarde tout ça, regardez, c'est là, hop. C'est parti quand j'aurais cliqué sur play, voilà. On se le met sans le son, hein. Donc c'était les demi-finales, mais quel était l'enjeu, mon cher Saban, de ces demi? Alors tout simplement, c'est l'équipe qui gagne, il me semble, qui arrivait bien placée, hein, pour les conférences, et malheur à l'équipe qui perdait. Justement, c'était la demi-finale des Ranked. Alors il y avait, voilà... Les Ranked, le FCQ3 d'un côté avec les qualifiés, de l'autre côté justement bah, les Ranked et cette demi-finale qui nous a tenus en haleine, Tatan, tout au long de la soirée. Ouais, à signaler que du côté de la compétition majeure, hein, le FCQ3, c'est FDA Excellium qui s'est imposé en finale face à SGS.
assez inattendu comme, comme résultat, sachant aussi que Atlantide Wave, le leader, a été surpris par Asgard en 8ème de finale 1-0. Ouais, une équipe d'Asgard qui a été valeureuse hein, aussi face à Atlantide Wave, qui n'a pas pu réitérer malheureusement l'exploit par la suite, mais qui a de toute façon inscrit un beau nom à son tableau de chasse. Et là, on voit justement le travail qui a été fait, qui a été splendide hein, sur le côté gauche et après le centre de la tête, le centre au cordeau, comme dirait Mezu. Mmh. Et du côté de la Ranked 3, ou 2, je ne sais même plus, tu sais, il y a tellement de compétitions, c'est XCIV eSport qui s'est imposé. Face à qui ouais. On l'a XCIV, c'était face à l'Azoria, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors... demi, mais non, ça doit être ça. Non, ça doit être ça. L'Azoria, ouais. C'est une belle, il y a eu une belle demi aussi qui était serrée. Mais c'était XCIV ouais, qui s'était imposé. Donc ça leur fait des points en plus. En tout cas, donc tous ces derniers matchs ont donné un classement phénoménal hein, pour la course au 24. Puisqu'on a deux conférences, vous les avez vues si vous êtes attentif à l'actualité. Ce sera la conférence White. Et la conférence Black, ça promet. Là, t'as dit quoi en premier? White. Ok. Quoi? Ouais, tout à je fait. Je sens le best-of. Non, c'est bon, je peux, voilà, je peux respirer. Tu peux respirer, ça n'ira pas en best-of. Ouais, c'était en finale, hein. L'Azoria, c'est bien ça. C'était en finale que vous avez joué contre XCIV et XCIV qui est ressorti vainqueur dans Ranked 2. Ouais, avec ce magnifique arrêt de Samy aussi. Et donc, c'est Dijon qui s'est imposé dans ce match. Et à ce moment-là, donc les espoirs de Fréjus étaient vains. N'est-ce pas, Gégir et Guti? Ouais. Bah après, je pense qu'il aurait fallu peut-être gagner la finale. Mais c'est vrai que ça nous a mis un petit coup. Ouais. Bah après, il mérite, c'est un gros match. Hein. Rien à dire, hein. C'est battu les deux équipes. On aura vibré. Ouais, même nous sur le terrain, je sais pas. Je sais pas si Barbosa et le Kun, comment ils étaient en face, mais nous en tout cas on était bouillants hein, sur le terrain. C'était... Voilà, on a tout donné pour essayer d'être dans les 24. Au final j'ai vu le classement, on a été limite, mais voilà, mais c'est beau quoi, c'est bien. Surtout que le tour d'avant, vous vous êtes qualifié au tir au but, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, au tir ouais, au but. C'est ça. Donc les tirs au but, ouais. C'est ça, voilà, moi je me suis dit, attends, si Samy nous sort deux masterclass en tir au but pour l'écart et la demi-finale, il n'y a plus rien qui aurait pu vous attaquer. Et il y a eu cette occasion, voilà, on vous laisse la regarder justement durant ce résumé. Et Barbosa, toi comment tu as connu eSport FA, tu viens d'où? De base... J'étais à MTS en VPG. À MTS et... ouais, c'est le truc MTS, quand tu prends des amendes, ça, quand tu vas trop vite. C'est ça. Et bah, du coup, il y a eu le projet de Dijon. Du coup, j'ai été contacté et après, je suis rentré dans ce projet. Tu t'es dit, c'est un nom qui me parle, je peux pas refuser quoi. C'est ça. D'accord, bah écoute, super. Donc, depuis combien de temps tu joues à Club Pro? Depuis FIFA 15, on va dire. Ok, ouais, t'as un genre d'expérience, quoi. Tu te sens le plus à l'aise à quel poste? MOC? Non, attaquant. Ouais, d'accord, vraiment en pointe. Plus sur un côté ou dans l'axe? Parce que justement, sur un côté, j'ai trouvé que t'arrivais vraiment à te débrouiller et à créer des espaces. Alors que dans l'axe, je ne sais pas si vraiment t'arrives... Si tu restes axial, est-ce que voilà, tu te sens plus à l'aise ou... Bah après de base je suis vraiment, enfin mon poste c'était vraiment ATG. Après là contre Fréjus j'étais ailier, donc AG. Et bah de base je connais pas tellement ce poste. Après je pense que j'ai vraiment bien géré sur cette session. Après tant mieux, on a décroché la victoire contre Fréjus. Franchement c'était vraiment un match très très chaud. Bien joué à eux d'ailleurs. Et non c'était vraiment vraiment dur. Surtout sur cette action là. Quand ils mettent la barre, on part en contre-attaque, on marque. Surtout que 10 minutes avant, bah, je loupe le péno. Franchement, c'était compliqué. En plus, je loupe le péno. Franchement, je m'en veux sur cette action, je vous mens pas. Si on perd le match, j'aurais normal. Été dégoûté. Mmh. Mais on a vraiment été la chercher et je suis très content. Et dis-moi, le penalty, tu l'as tiré au milieu parce que t'as voulu assurer, c'est ça? Ouais, franchement, ouais, je pensais qu'il allait plonger. Et voilà. Ah, c'est Samy hein, qui fait un gros match. Ah, ouais, mais magnifique. Hein.
Il en a encaissé 4 et pourtant on le dit qu'il a fait un grand match, donc vous imaginez la qualité hein, du match. C'est quand même quelque chose quand un gardien il en prend 4 et on dit encore qu'il a pas été à côté de son match, c'est quelque chose. Alors du coup, surtout qu'il fait un gros arrêt dans le match contre Lazio, je crois, sur le centre. Franchement, il sur la tête quand il se jette en bas et tout, énorme. Ouais, c'est ça. Alors bon, Gégir, Guti, vous avez perdu, on est d'accord. Ouais. Mais chez Stade 2.0, on est généreux et on vous offre une chance de vous rattraper avec le quiz. Bah c'est parti. Quel mot désigne les signes tangibles qui permettent à la police d'avoir des indices? Oui, des indices. Et nous, on y participe, les Dijonais. Et oui, c'est la revanche, les amis. C'est la revanche. Eh oui, c'est la revanche. Et pour ce coup. La revanche Fréjus contre Dijon. Ouais, elle est là. Sors-toi, Couponin. Dans Stade 2.0, les amis. Il me faut un représentant pour cette première manche, hein, les amis. Donc, décidez entre vous. C'est allez, un quiz Barbeau. Sur Isporefa. Donc, Barbo face à. Vas-y, Gégir. Gégir. Barbo face à Gégir, les amis. Alors, je vais vous expliquer la règle. Ce qui va se passer, c'est que ça va être le jeu du multiplex que vous connaissez peut-être sur Isporefa. On va avoir le son du multiplex du canal qui va partir. Et à chaque fois, chacun votre tour, il va falloir nous donner des clubs qui sont. Sur Isporefa, d'accord. Cette année, hein, pas des années précédentes. Et est-ce qu'on prend aussi les équipes qui ont dissous très 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 récemment ou... Oui, vous pouvez. Et donc du coup... Voilà, comment on est d'accord sur toutes les règles. Alors qui c'est qui commence, Saban? Alors moi j'aimerais donner la parole justement au vaincu, à Fréjus. Donc Fréjus commence, allez. Donc on a dit que c'était qui contre qui, Gégir face à Barbosa. Hein. C'est ça. Allez, c'est parti Barbosa. Pardon, c'est parti Gégir. Go. Van. MGFC. La Louvière. SGS. Bien. Fréjus. Ils sont chauds. Oui. À Dijon. Asgard. Nantes. Ah, ça tient. XIV. Atlantide Wave. Anfa. Lazoria. C'est perdu, c'est hors d'amis, les amis. Ça allait vite. Hein. Non, personne n'a compris le jeu. Personne n'a compris. Ouais, j'ai compris moi. Non, vous oui. Non, t'inquiète, non. Parfait. Non, dans le chat. Ah. Dans le chat, ils ont pas compris. En gros, à chaque fois qu'il y a le petit bruit du multiplex, il faut citer une équipe. Il faut citer une équipe de Isporefa. Et c'est chacun son tour. Et là, donc du coup, voilà la manche 1 qui a été remportée par. Bah, c'est Gégir. C'est Gégir. Voilà, 1 à 0. Voilà, tu vois la barre, cette fois-ci elle était rentrante. Voilà, voilà. Ça c'est pour Barbosa, ça. Voilà. Et c'est pas terminé, les amis, vous savez très bien. Ça va en 2 points donc. Vous savez très bien que voilà, des matchs disputés comme ceux-là, on peut pas rester sur 1-0, il y a eu 4-3 quand même. Hein. Deuxième manche, est-ce que vous changez de participant ou pas, les gars? Alors, le thème pour la deuxième manche, c'est tout simplement les vainqueurs en Champions League. Alors, faut gagner le trophée, hein, pas gagner un match. Guti, c'est moi, je t'envoie ou pas? Ouais, ça peut se faire. Guti, allez, face à qui? Le Kun, t'es chaud? Vas-y, mais juste une question, c'est... Y'a des images ou pas? Parce que moi, je suis pas chez moi, en fait. Non, y'a pas d'image, c'est au son. C'est au son? Ok, carré. Allez, c'est qui l'arbitre, là? C'est Moustaki, c'est ça? Ouais, c'est Moustaki l'arbitre. Ouais, Moustaki, prends bien note de tout. On intervient s'il y a un souci, c'est parti. On commence avec du coup le Kun. Go. Vas-y. Attends, je. Il y a un problème des multiplex là. Liverpool. Le Real. Chelsea. Barça. Merde.
Ah non, le FC merde qui n'a fait pas partie de la Champions League malheureusement. Et le son il s'est arrêté pile maintenant. C'est bien vu. Tu vois, heureusement parce qu'on aurait été dans la merde sinon. Du coup ça veut dire que c'est frais jusqu'à gagner les gars. C'est ça. Voilà. Ouais, 2 voilà. à 0. J'ai gire. Merci pour la remontée dans les 24. Merci. Vous gagnez votre place et bien sûr Dijon est rétrogradé. Et le quiz qu'on ne fait pas. Il ouais, fait pas l'unanimité dans le chat. Mais non, le chat il est bien. Le Milan, Ajax, l'OM, voilà. Il y a Porto, il y en a plein. Bien sûr. Et oui. Et oui, les amis. Est-ce que Misa il est là? Ouais, je suis là, l'équipe. Eh Misa, tu t'en doutes bien que il reste un dernier jeu du multiplex, forcément. Et tu sais pour qui il est? Il est pour Saban, il est pour Moustaki et il est pour toi. Et ça va être oh merde, les buteurs. Les buteurs de la saison 3 sur EFA 19, remportés par la peste à l'époque. Vous voyez ici le visuel, et vous voyez d'ailleurs le meilleur buteur, il est écrit si vous savez lire. Et donc les amis, on va jouer avec les buteurs. Buteurs de EFA 19, on commence avec Saban, ensuite Misa. Mais laquelle, saison 3? Saison 3, ouais, c'est saison 3. Dans les goalscorers quoi. Voilà. Attends, j'ai eu une déco, j'ai pas entendu. Les buteurs de la saison 3 FIFA 19, l'ordre c'est Saban. Tu m'as dribblé. Saban. Tu m'as dribblé depuis la liste des meilleurs gardiens, les amis. Je suis contre cette fraude. J'ai pris une liste des gardiens qui ont au moins une sélection en équipe de France. Attends, il m'envoie ça avant le live. Y a pas. Non, mais. C'est bien parce que t'as niqué le truc pour l'avenir. Donc, Saban, Misa, Moustaki, ok. Allez, c'est parti. Dès qu'il veut. Qui comment? Bah, Beau West, hein. C'est bon, Beau West, Saban. Misa. Pepe Vargas. Moustaki éliminé, Saban. Samine. C'est perdu, les gars, c'est Misa qui a gagné. C'était le jeu le plus pourri, mais bon. Bidon. J'ai même pas suivi, t'as mis. Boez, Dilanio, Kardesh, Ben Arfa, Lenzi, Dams, Papounou, Twits, Brusimovic, Grugalex, Piero, Yunus, Kingsu, Cavani, Ney, Ronitoni, Dinkal, Pierrick, Nini, Christop. Voilà. Oh bah j'ai gagné. Ouais, mais bon. Misa a gagné. Voilà, et Misa. C'est un FAP pour Misa. Misa, il en a dit un. Il était bien. Et on les embrasse en tout cas, tous ces joueurs. C'était EFL 19 à l'époque, on était déjà là. Merci Miguel. Donc les amis, qu'est-ce qu'on se dit? Misa, je crois qu'il faut que tu nous parles un petit peu de tout ça. Vous pouvez rester pour réagir d'ailleurs, hein, Dijon et nos amis de Fréjus. Réagir sur la suite là qui va se passer de la compétition, c'est ça? Je crois qu'il y a quelque chose de prévu. Ouais, alors est-ce que tu peux aller sur le site peut-être? Et juste te mettre ton curseur sur l'onglet compétition. Voilà les gars, là ça fait 3 semaines de qualifiers qui viennent de se clôturer jeudi 5 novembre. Et on va attaquer la deuxième étape de l'eSport Football Cup avec l'UFC Ranked et l'UFC Champions. L'UFC Ranked avec les Playgrounds A et B. L'UFC Champions avec les Black Champions et les White Champions. Ça c'est l'étape 2. Et enfin il y aura une étape 3 hein, parce qu'il y a une petite nouveauté cette année. Voilà. Il y a une petite nouveauté, on va vous en parler après, mais il y aura l'EFL Finals, donc la troisième étape de cette compétition, avec la Gold Champions, la Silver Champions et la Bronze Champions. On vous expliquera comment ça va se passer pour cette étape 3, mais voilà, il y aura des petites nouveautés. Est-ce qu'on peut-être remettre un petit coup du trailer, le temps qu'on voit ce qu'on fait pour la suite? C'est parti, on va se le mettre. Go trailer. Yeah.
Et voilà, donc c'est vrai que ce joli trailer qui nous résume tout ce qui va se passer dans la... pour la suite de cette compète. Donc c'est vrai, Misa, la nouveauté, c'est la Gold qui va débarquer bah, forcément dès lundi. Il y a un petit retour dans deux secondes. Ouais, les gars, faites gaffe. Le coup ou quoi, peut-être couper le micro ou baisser le live. Donc dès lundi, la Gold est une nouveauté folle, puisque c'est pour la première fois sur eSport FA qu'une équipe dans la catégorie Ranked, j'ai envie de dire, pourrait voir un avenir meilleur. Voilà. Ouais. On n'en dit pas plus. Alors, ce classement des 24, du 19 octobre au 5 novembre, qu'est-ce que ça donne, mon cher Tadad? Ben, commençons peut-être avec le classement de la 37e à la 42e place. Allez. Il est là. Tu le vois, normalement, vous le voyez. Ah, mais non, vous le voyez pas. Et non, on va le voir bientôt. Mais là, on le voit maintenant, moi, sur le stream, en tout cas. Oui, avec je vais la NFA qui termine 42e. Ils étaient 44, hein, au début, on le rappelle. Et la NFA qui finit 42e. SC Lyon eSport, 41e. Matsuno, 40e. Ecclesia, 39e. La Casa, 38e. Et MTLK 37e, donc ces équipes-là seront en playground en EFC Ranked. Ouais, on a aussi Nior, RFCL eSport, Ubi Team, FC Chamalière, Trélissac eSport et le Royal Frambourin hein, qui sont aussi du coup en Ranked du fait de leur 31 à 36e place. Et là, c'est les grands perdants, Misa. Si tu es là. Puisqu'on a quand même les Toll Fréjus, B-Sport, Pandore, Invision, La Pure et Lazoria qui échouent aux portes de la Champions. Que dire de plus? Est-ce qu'on dévoile du coup les derniers qualifiés en Champions? Si tu me dis rien, ça va être ça. Hein. Ça banne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors. On est où, ta tante? Là, on est à deux doigts de dévoiler le 24, les gars. Ah bah, on est bon, je pense. Hein. Allez, c'est parti. Le 24, gars, à l'arraché, c'est la Torque eSport avec 5700. Si on arrive à le revoir, parce que je t'ai remis sur le site, ta tante. 5754. Suivi de XIV tout juste avec 6018. Le RC Grasse qui s'est un peu effondré là au cours des semaines, qui avait bien démarré la semaine 1. Avec la 22e place, 6076. La Team Rocket, fort de sa victoire en EFC Ranked 1, qui se qualifie. Obsession, qui a alterné le bon et le moins bon. Nukestars, 19e. Et on est plutôt pas mal hein, pour cela. Pour ces équipes-là, ils sont qualifiés directement. Alors ensuite, on a Bergerac, le SC Toulon, la Louvière. FRS qui se qualifie, DFCO et le FC Nantes, donc il y a des jolis noms hein, pour cette partie, ce secteur e-foot. On va surtout la FRS, hein. Quel joli nom, hein, franchement. Pas du tout de chauvinisme hein, dans ces propos. Non, absolument pas, non, je ne les connaissais pas avant le début du live. Là, c'est ceux qui sont vraiment bien placés, mais pas dans les tout meilleurs, Orcs. La Clutch Rain, Zephyr, Estudiantes, Wanted et Asgard. Et on termine avec les 6 premiers. Les Cador. Dis-nous tout ouais. Sur les Cador. Ah, ils ont bien marché hein, sur les 3 semaines, hein, non, Chaban? Bah, ils ont été les plus réguliers, on va dire ça comme ça, avec en 6ème place le Thunder qui a fait de très belles compétitions. SGS qui a une finale à son actif. FDA, une victoire carrément. Hein, on peut pas faire mieux. Van. Finaliste de l'EFCQ1, demi-finaliste de la 2, il me semble. Ouais. MGFC qui a été finaliste de la 2 et demi-finaliste de la 1 qui a le chemin inversé. Non, gagnant de la 2. Gagnant de la 2 même. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est pour ça qu'ils ont plus de points. Et Atlantid Wave hein, qui a gagné donc, du coup la première. Ouais. Finaliste de la 2 et qui a été surpris par B-Sport, hein, on l'a dit plus tôt dans l'émission lors de la 3ème édition en 8ème de finale. Voilà, on est bon sur ce classement des 24, Tatan. Ouais, on est prêt pour le circuit hein, qu'on voit. Et le circuit, les gars, la nouveauté du circuit, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a 12 Black Team et 12 White Team.
Les trois meilleurs des conférences Black Champions et White Champions accéderont au niveau ultime, le Gold Champions. Le quatrième et cinquième se feront une Battle Gold. Et le perdant de cette Battle Gold sera reversé en Silver. Qui a en Silver? Eh bien, il y a les équipes de la 6e à la 11e place en Black Champions. Il y a également les White Champions de la 6e à la 11e place. Et attention, puisque la 12e des conférences UFC Champions, le 12e va affronter pour la première fois depuis la création de notre système, le premier de l'UFC Ranked, le premier des Playgrounds. Et le 12e White affrontera l'autre premier des autres Playgrounds. Donc c'est la première fois qu'une équipe Ranked, les amis, ils vont pouvoir revenir dans les Champions et atteindre le niveau Silver. Et ça pourra être aussi dramatique là où tout peut basculer, comme on le dit souvent. Puisqu'une équipe Champions qui finirait 12e et qui perdrait son Battle Silver contre une Ranked se verrait reversée au plus bas niveau en bronze. Ouais, donc alors... il y a trois niveaux. Gold Champions, Silver Champions et Bronze Champions pour le FC Final. Et avant le FC Final, eh ben, il y a le FC Champions avec les Blacks, avec les Whites. Et il y a aussi le FC Ranked. Et pour faire simple, on a Casadeville voilà. Qui est par exemple très bas placé, qui pourrait terminer 9e fin décembre. Joli cadeau de Noël. Ouais. Alors, ouais, vraiment, parce que je vois le chat, c'est compliqué pour les gens. Mais vous inquiétez pas, en vrai, c'est super simple. Hein. Vous prenez vraiment les 24 qualifiés pour les conférences, vous les dispatchez dans deux groupes, les Blacks et les Whites, et après vous faites le classement. Les trois premiers sont en haut, le quatrième de la Black joue contre le cinquième de la White, et le quatrième de la White joue contre le cinquième de la Black pour une place en Gold. Le reste, c'est donc dans la catégorie Argent, sauf le dernier des deux conférences Black and White. Le dernier va jouer une place de barrage, en fait. Contre les Ranked pour la bronze. Voilà les amis. Exactement. Gégir, une réaction peut-être, toi qui voulais participer à la Champions et maintenant avec ce nouveau système, tu vas peut-être pas pouvoir participer à la Gold Champions, mais tu vas participer à la Silver Champions où il y aura de nombreuses équipes des 24. Ouais, on va se battre. Hein. Je pense que voilà, 300 XP d'être dans les 24, ça nous a fait mal. On n'a pas lâché, hein. On s'est dit qu'on va tout donner en Ranked. Donc ouais, le but ça va être clairement d'essayer d'être reversé en Silver pour nous. Donc c'est pas mal. En tout cas pour les Ranked, j'avoue que c'est intéressant. Après et je sais toi... pas pour les 24, voilà. Ouais, bah justement j'allais poser la question au Kun et à Barbosa. Vous qui avez réussi à accéder au 24, maintenant comme vous le voyez avec le nouveau système, si vous finissez malheureusement dernier de la conférence Black Champions ou White Champions, on va le savoir dans quelques minutes dans quelle conférence vous êtes, mais si vous finissez 12e, vous allez devoir disputer votre place dans un Battle Silver et peut-être être reversé en bronze, ce qui serait vraiment une grosse déception pour ces équipes-là qui ont réussi à se qualifier. Comment vous le sentez tout ça? Bah déjà, en amont déjà, avant ce fameux match-là qui était un peu couperet pour notre qualification, on avait déjà, entre guillemets, parlé au groupe, en disant que de toute façon c'était pas fini, que c'était ces qualifiers, à l'issue de cette qualifiers, il y aurait la possibilité encore de pouvoir retrouver une conférence plus haute, admettons si on était dans les 20 derniers. Donc ça là-dessus c'est plutôt bien organisé, je trouve que c'est bien réparti. Là en plus là, ce que vous avez fait la Black and White, ça illustre aussi ce que vous vouliez faire par rapport aux deux conférences de 12, donc c'est bien. Je trouve ça bien en fait, c'est de bon augure, ça laisse encore une chance aux équipes qui ont été éliminées, qui peuvent avoir des regrets, peut-être comme Fréjus, hein, on l'a vu. Franchement, ils méritaient aussi, c'est une équipe, je pense, qui méritait aussi d'aller un peu plus haut. Donc, c'est bien. Yes. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire ça. Alors, pour les amis, en fait, on avait expliqué à nos joueurs que, à l'issue de cette ranked là, qui était un peu voilà, la moitié, il y avait encore, c'était pas mort pour nous, en fait, il y avait encore la possibilité. Et qu'on pouvait partir peut-être dans les 20 derniers pour mieux rebondir, encore mieux se préparer, parce que bah voilà, nous on est comment dire nouveau dans l'e-sport FA, on est en apprentissage aussi encore, donc on découvre, on essaie de prendre de l'expérience gentiment, donc ça aurait été pas si mal de descendre dans les 20 derniers, même si on avait l'ambition pour mieux se préparer encore et voilà rebondir en fait, voilà de servir de cette force finalement. Donc voilà, ça s'est bien passé pour nous, on est content. Et le... ça s'est passé, voilà. Les amis, s'il vous plaît. Voilà, on est coupé par l'antenne.
Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va passer sur l'after. La seule différence, c'est que je suis pas là. On va allumer la conférence et je vous propose qu'on soit ensemble en live jusqu'à 20h25. Ça vous va? Okay, on va allumer la conférence, qu'est-ce que tu vas faire? Je mets les conférences et puis je vous laisse débattre jusqu'à 20h25 et le stream s'arrêtera, les amis. Donc je vous mets les conférences et je m'éclipse. Je vous dis bonne continuation. Vous êtes entre de bonnes mains puisqu'il y a Misa, il y a Saban, il y a Moustaki et tout le monde. Allez, bon appétit, les gars. C'est des conférences. Et du coup, le Kun, vous, votre objectif, oui. c'est Gold Champions, Silver Champions? Qu'est-ce que c'est? Bah, nous, notre objectif déjà, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'acquérir de l'expérience, parce que on rentre avec des petits souliers un petit peu dans l'e-sport FA. Ouais. Vous êtes en Black Champions là, on vient de le voir à l'écran. Donc vous êtes dans la conférence Black Champions avec Atlantic Wave, Bergerac, Van Olympique, La Louvière, SGS One Vision, Orcs Grand Poitiers, Zephyr eFoot, Wanted NBD, XCIV, Team Rocket, Nukestars, eSport, on s'excuse pour la petite faute sur Zephyr, c'est avec un Y, et donc le DFCO, donc c'est une grosse conférence les gars, comme vous avez vu, je sais pas ouais. si vous voyez à l'écran, et c'est seulement les trois premiers qui accèdent directement au Gold Champions, le 4ème et 5ème de cette conférence devront jouer la Battle Gold contre les White. Ouais, bah, écoute, c'est bien, franchement, on est content aussi de, je pense que Soso... Sosobo 45 et Igor, les deux autres GM du club, sont contents de voir Atlantic Wave parce qu'en fait on en parlait tout à l'heure, on disait ouais franchement ce serait sympa de tomber sur cette équipe. On a eu la chance pendant les qualifiers de rencontrer des belles équipes d'e-sport FA bien installées. Ça nous a, en fait on a pris ça de bonne augure parce que voilà comme on a dit on est en apprentissage. Donc voilà on va découvrir ça, on a bataillé pour en arriver là. Et puis on va tenir notre place, on va continuer à travailler. Le reste, il reste beaucoup à faire encore, je pense. Ça s'arrête pas jusqu'au qualifiers. Donc c'est bien, c'est de bon augure. Il y a des belles équipes. Pour toi, les trois premiers là, de la conférence Black Champions, les favoris, les trois premiers qui pour toi passeront en gold? Les favoris? Je vais en citer trois, ouais. Atlantic Wave, Van et Zephyr. Voilà, sur le papier, je dirais ça. Sur le papier, je dirais ça par rapport aussi à l'issue des qualifiers, un petit peu les performances de ces équipes. Et on a trouvé ça intéressant. Mais après, voilà, Bergerac aussi, c'est une bonne équipe. On les a rencontrés, c'est quand même une bonne équipe. Il y a beaucoup d'individualité. Wanted NBD, je ne connais pas trop, mais voilà. Après, le reste, il y a beaucoup d'équipes. Et franchement, pendant ces qualifiers, il y a quelques équipes qu'on connaissait un petit peu. Et on a été surpris du niveau. Voilà, ça a haussé le niveau, quoi. Nukestars, Team Rocket, voilà, on est issu de la, comme on l'a dit précédemment, de d'autres ligues. On est nouveau et on a rencontré quelques équipes qu'on avait en commun. Et voilà, ça va se batailler, franchement. Ouais. Les trois favoris, comme on a dit, bien sûr. Mais ça va se batailler, ça va être pas mal. Et toi, Chaban, de ton côté, si je vais en citer trois. Alors, je pensais au même, sauf qu'à la place de Zephyr, j'aurais mis SGS. SGS, ok. Barbosa. Ah, mais moi, je suis plus d'accord avec Chaban, à la place de Zephyr, j'aurais mis SGS aussi. Ok, Moustaki. Peut-être un petit peu plus facilement un résultat, un match nul ou alors une victoire surprise. Mais aussi également pouvoir montrer la domination sur les équipes peut-être un peu plus faibles. Alors il y a Dijon également, hein, Dijon qui nous ont également agréablement surpris. Il y a belles équipes quand même dans cette Black Champions. Hein, c'est quand même assez compliqué. Ouais, comme dit Ronaldo, ça va être la guerre en Black. Va falloir. Mais en White aussi, c'est l'effet d'optique, les gars. Également, c'est sûr et certain. Mais bon, on voit les. FDA qui a gagné FCQ3, MGFC qui a gagné EFCQ2, Toulon qui a fait plusieurs huitièmes de quart de finale en FCQ1 et en FCQ2, Thunder Rock qui est arrivé en demi-finale de FCQ3, Clutch qui a été à chaque fois dans le dernier carré des EFCQ, RC Grasse qui a fait une bonne première semaine qui vont remonter je pense le niveau, Obsession qui vont rehausser le niveau,
Nantes qui s'améliore, FRS qui va pas vouloir faire de la figuration, Torque non plus, Asgard qui a montré de bonnes surprises, et Sugentes, ils ont montré aussi qu'ils étaient capables de tout et ils ont fait quelques faux pas. Ah, franchement, je trouve que ben, on a pris par rapport à l'XP, hein. Par rapport à l'XP. C'est ça. Pourquoi c'est plus facile c'est ça de dégager demandé, fait, vous avez fait un tirage. Vous avez fait non, c'est pas un tirage, c'est un serpent. C'est un serpent, comme on fait d'habitude. Serpent, d'accord. 1, 3, 5, 7. Les chiffres impairs sont les blacks, les chiffres pairs sont les whites. Ouais, ça c'est bien. Super. Ouais. Ok. En tout donc, cas, si coup, je peux me permettre vite fait, je suis ravi de retrouver mes compères de l'Estudiantes dans cette White Champions. C'est toujours un plaisir de jouer contre eux. Dans la période Chaban, je crois. Il bug depuis tout à l'heure. Voilà, on est là. Et Gégir, on t'a pas entendu peut-être pour ton petit prono. Ouais, ben pour moi, pour la Black, c'est vrai que Atlantide, Van. Et après, ça va jouer, je pense, entre Zephyr et SGS. Après, bon, c'est vrai que c'est très très serré. Mais de ce qu'on a vu et de ce qui en est ressorti, c'est vrai que bon, ils ont fait un peu plus de diff. Et pour la White, moi je dirais MGFC, FDA et Thunder. Et pourquoi pas la clutch qui va être un peu derrière. Ouais. Parce que la clutch, faut pas les oublier. Ils ont quand même sorti des bons trucs dans les qualifiers. Ils sont toujours présents, de toute façon, avec Lynx et Bobby. Il va y avoir de toute façon aussi les 4e et 5e hein, qui vont jouer la Battle Gold, ouais. On le rappelle, pour tenter de se qualifier en Gold Champions ou alors eh ben, redescendre en Silver Champions. Du côté de la Ranked, alors je vais vous donner les poules parce que la Tatane est partie, donc c'est plus compliqué pour que je vous donne toutes les poules. Alors la Ranked, donc il y a le Playground A, on le rappelle hein, que le premier de cette Playground A va jouer le Battle Silver contre le dernier des Black Champions ou des White Champions. Donc on a l'étoile de Fréjus, justement, avec Gégir ici présent, Pandore Foot, Sporting Club de Lyon, RFB eSport, FC Chamalières, Lazoria eFoot, US Changé, et alors les autres, il faut que je les fasse manuellement. Lazoria, est-ce que je l'ai cité? Oui. RFCL Liège, donc. RFCL Liège pour la 8e position et la 9e c'est Ubiteam. Donc voilà, je vais les répéter. Étoile de Fréjus, Pandore eFoot, Sporting Club de Lyon eSport, RFB eSport, FC Chamalières, Lazoria, US Changé, Ubiteam et RFC Liège. Pour le Playground A, le premier, il joue le Battle Silver contre le dernier des Champions et donc il pourra rentrer au niveau 2 et esquiver le niveau 3. Au niveau de la Playground B, maintenant, alors, on a InVision, B-Esport, Chamois Niorté, ANFA eSport, Trédissac, MTLK, Ecclesia. Donc ceux-là, il faut que les deux autres, je les trouve. En manuel, parce qu'ils n'ont pas encore appuyé sur le bouton. Tac. En tout cas, ça promet de très très belles affiches. Hein. On le voit au niveau le site, hein, on vous le mettra, je crois qu'il y a la Casa qui n'a pas encore envoyé. Ouais, la Kazakh serait la 8e équipe. Et la 9e, ça serait le FC Mobali s'il confirme, il me semble. Donc voilà les gars, pour le Black Champions, White Champions, on est parti sur 3 semaines là. 3 semaines, Chaban, ça va changer de rythme avec 4 fois par semaine des matchs. Puisqu'avant, il y avait la Ligue des Champions, lundi, mercredi, mardi, mercredi. Donc on pouvait faire que lundi et jeudi. Là, ça va se jouer donc du lundi au jeudi. Vous allez, comment ça va se passer? Alors pour demain, vous allez avoir tous les matchs à la même heure, en Champions et en Black et en Champions White. Donc tout le monde va avoir le match à la même heure, vous allez le savoir tout de suite, là, dès que je vais valider après le live. Puis par contre, pour mardi, vous aurez chacun un horaire différent, plus ou moins dans le match. Donc on vous le dira, hein, l'horaire il est compris entre 21h40 et 22h40. Donc on vous place les deux matchs à des horaires, puisqu'on a pour objectif de passer 7-6 matchs dans la soirée, à intervalle de 10 minutes. Alors il y a Lazoria qui nous demande combien de matchs par semaine il devrait y avoir avec justement ce format eSport FA. Alors là, sans le FR, parce que le FR, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à regarder le Discord, 22h30 jusqu'à, et 22h50, vous avez chaque jour un match aller-retour pour les retardataires. Donc je vous ai tout mis là sur le site, vous pouvez aller voir dans le FR. Pour le FC Champions,
si je dis pas de bêtises, hein, si je dis pas de bêtises, je vais re-regarder ce que nous a mis Petros. Et je vous dis ça. Tac, tac, tac. Aller-retour, c'est pour le FR Parisiano. Ce sera pour l'aller-retour. Voilà, la Black Champions, il me semble, c'est également aller-retour. La Black Champions, c'est aller-retour, exactement. Comme je vous le disais, okay, donc, okay. La journée 1, ça sera à horaire pour tout le monde fixe, pour toutes les équipes. La mardi, ça sera à horaire décalé. On va vous mettre les horaires un peu décalés. Donc, des gens ils vont jouer à 21h30, d'autres ils vont jouer à 21h40, d'autres ils vont jouer à 21h50, d'autres à 22h, d'autres à 22h10. Et on vous dira tout ça pour demain soir. Ça, c'est mardi. Et pour demain soir, c'est J1 à 21h45 et J2 à 22h10. Et puis à 22h30, vous enchaînez sur le FR aller-retour. Donc demain, J1, J2, Black and White Champions. C'est également pareil pour le FC Ranked avec la J1, J2. Peut-être pas aux mêmes horaires, on vous dira les horaires. Mais en tout cas, voilà, pour lundi. Pour mardi, il y aura deux journées aussi encore de nouveau de FC Champions, de FC Ranked. Mercredi, deux journées de FC Champions, deux journées de FC Ranked. Jeudi, deux journées de FC Champions, deux journées de FC Ranked. À des horaires décalés, on le rappelle. Donc, il faut pas réserver de match parce qu'à tout moment, votre match peut être à 21h30, puis le lendemain à 21h50 et après-demain à 22h10. Ça dépend de la programmation de la Web TV. Comme vous le savez, on fait les choses au plus carré. Et du coup, les matchs sont programmés par Tatane et son équipe Web TV. Et il faut suivre la programmation pour vous mettre le plus en avant. Ça terminerait quand tout ça, Chaban? Ça terminerait quand? Parce que tout le monde veut savoir. Donc ça commence demain, le 9... Ça commence demain et ça se terminerait normalement dans 3 semaines. Hein, si j'ai bien compris, dans 3 semaines, c'est-à-dire tout frais pour le début décembre. Et on vous a fait ça, on vous a cuisiné ça pour que tout le confinement, vous soyez occupés, les amis. Hein. Pas de souci là-dessus, que personne ne me dit qu'il n'a rien à faire. Bon, vas-y, Nisa. Pardon, excusez-moi. Le 23 et le 26... novembre, le 23, il y aura la Super Night de la Black Champions. Pour ceux qui ne savent pas les nouveaux, la Super Night, c'est là où vous avez beaucoup de matchs de conférence pour terminer le sprint final pour la course à la Gold. Cette fois-ci, ce ne sera pas la course au playoff, mais la course à la Gold Champions. Donc vous aurez 4 matchs le lundi 23 novembre en Black Champions. Et le jeudi 26, les White Champions, vous aurez 4 matchs la Super Night. Des White, c'est le jeudi 26, c'est là où tout se jouera, comme on le sait, les anciens le savent. Et lundi, pareil, le 23, c'est la Black Champions. Et entre-temps, il faudra essayer de récolter le maximum de points, pas être trop loin de la 5e place pour tout donner lors de la Super Night. Quant aux Ranked, quand les champions joueront deux matchs, eux, ils joueront que deux matchs, les Ranked. Et puis, par la suite, il y aura la Battle Silver. Donc, une fois que tout le monde aura fini, UFC Ranked et UFC Champions... Donc les Ranked, on rappelle, c'est Playground A, Playground B, les Champions, c'est Black Champions et White Champions. Une fois que tout ça est terminé, il y a la Battle Silver entre le 12e Black et Playground A, le 12e White et Playground B. Le perdant, il va jouer la Bronze Champions, qui va jouer sur un soir, sous forme d'ONC, 8e, quart, demi-finale. Et donc il y aura le champion de la Bronze Champions. Puis ensuite, il y aura en match simple, donc cela. Après, ensuite, il y aura la Silver Champions, qui va se jouer... En match aller-retour, 8e, quart, demi et la finale en BO3 sûrement. Et enfin, après, il y aura la Gold Champions avec la Battle... Non, il y aura la Battle Or avant la Silver Champions. Et enfin, pour terminer, je vous disais donc qu'il y aura la Gold Champions avec les 8 plus grosses équipes de ce circuit. Et ceux qui arriveront, ils n'auront pas volé hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de parcours à faire. Ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Après 3 semaines de compétition et toutes ces semaines qui sont déjà passées en plus... Ça s'annonce tout simplement grandiose. Hein. Et beaucoup de battles, hein, beaucoup de battles de bataille. On attend justement que ça se donne de tous les côtés sur les terrains. Et attention justement à vos cartons rouges, hein, parce que ce sera comptabilisé, les amis. Ne vous battez pas trop. Hein. Attention, attention, on vous aura à l'œil Petros le flic qui va bien surveiller tout ça. Exactement, mais je suis en train tout doucement, moi, de mon côté. Accepter les équipes, je sais pas si Moustaki ou quelqu'un d'autre veut réagir et puis on va pas tarder à rendre l'antenne. N'hésitez pas dans le chat à nous dire aussi vos favoris hein, pour la Black Champions, pour la White Champions. Eh oui les amis. Allez, que tout le monde tape son top 3 des favoris, Black et White. Et une question,
N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, c'est maintenant, on a encore 3 minutes, hein. On a encore 3 minutes, après, voilà. Donc en gros, il y aura 6 équipes de Black and White, ils seront en Silver, voilà, exactement. C'est exactement ça, les gars, hein. C'est... Il y a une équipe de Ranked qui peut aller en Silver également. Et il y a une équipe de Champions qui peut aller en Bronze. Hein, donc attention à bien rester concentré, les amis, c'est pas parce que maintenant on est qualifié qu'il faut se relâcher, on va dire. Exactement. Ah oui, le calendrier, on vous prépare. Hein. On vous prépare les visuels, les amis. Hein. Pas d'inquiétude, on vous prépare les visuels très rapidement, histoire que vous soyez au courant le plus rapidement possible. Tout comme le calendrier. Le calendrier, je sais pas s'il est encore déjà disponible, Misa. Bah, je suis en train d'accepter les équipes. Je pouvais pas les accepter avant le live, parce que sinon, bah, ils auraient vu que dans quel conf ils étaient. Ouais, je vois comment. Je suis en train de les accepter tout gentiment. J'espère que tout le monde a envoyé. En tout cas, je suis en train de les accepter là. Et on a Théo qui nous dit pour la Black Atlantide Wave. Alors, rien d'autre. Hein. Atlantide Wave. Et le reste en dessous, on se mouille pas. Voilà, Lindsay qui nous dit XIV, Atlantide et BPFC. Et de l'autre côté, MGFC, FDA et Hawk. Le Thunder. Il y a SGS One Vision qui s'inscrit déjà pour la Gold Champions, la Silver Champions et la Bronze Champions. Voilà, pourquoi pas. Ils postulent pour tout, ils ont raison. Ils ont raison, hein, n'hésitez pas les amis. Donc en tout cas, voilà, sachez que voilà, on va vous préparer tout ça très très rapidement. Vous avez donc vos poules devant vous. Moustaki, t'es encore là ? Ouais. Moustaki, un petit mot de la fin ? Allez, on te laisse parler un petit peu aussi. Bah, il y a juste une petite question de Manan qui veut répondre. Il a dit, si on prend un rouge au premier match, est-ce qu'on est suspendu pour le match de la soirée ou... reporté. Ah bah ça, on te dira tout ça, Manon, par l'intermédiaire de Petros. Il me semble que dans les conférences, c'est la semaine, le jour d'après, quoi. Ouais, normalement, c'était ça. L'année dernière, c'était ça. Bon, les amis, donc du coup, on va vous laisser justement sur cette question. On vous remercie. On vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir encore pour justement savoir dans quelle poule vous allez terminer. Merci à Misa. Merci à Moustaki, à nos amis de Dijon et de Fréjus. À merci vous tous Alex. Dans Alex, le live. Merci Annex également. Attends, voilà,